Hey, coucou à tous et bienvenue pour l'épisode 4 de cette deuxième saison de Destiny. Après moultes aventures, un premier enfant et des promotions en veux-tu en voilà, une passion qu'on commence à rapporter ses fruits, eh bien on va sonner enfin l'arrivée de bébé numéro 2 dans le foyer de Daphné et Valérian. Bah écoutez, je pense que vous êtes très 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 à l'affût de savoir ce que c'est, moi aussi d'ailleurs, du coup on y va tout de suite. Et on retrouve la petite maisonnée alors qu'elle est endormie. Ah, j'ai vu du mouvement par là. Non, ça va, ça dort, mais ça va pas tarder. Et nous avons la nouvelle pièce qui a été terminée, mais pour l'instant, ils n'ont pas encore emménagé dans les lieux. Ce sera la chambre des parents, donc de Valérian et Daphné, qui seront ici. Comme ça, la plus grande chambre sera laissée pour les enfants. Je vous rappelle qu'on doit en faire 4. Voilà, donc il faut de la place. J'avoue que je ne sais plus à quelle heure elle doit accoucher. Mais là, il y en a la vessie qui pousse, donc on va peut-être la faire aller au pipi. Regardez comme ils sont mignons quand ils dorment, avec le nouveau mode que j'ai installé. C'est l'heure pour se lever, Valérian doit pisser, et Daphné doit manger, c'est vraiment, vraiment fou. Et en plus, elle bosse, mais je crois qu'elle doit pas accoucher dans la journée, à midi, un truc comme ça. Ah bah, pas le temps, faudrait qu'elle aille au boulot, elle a pas le temps de se doucher, d'aller aux toilettes. Oh la vache. Avec l'énorme Bilux. Et j'entends la petite Edelweiss. Oh, qui pue, la pauvre gamine. Oh là là, et on a toujours rien pour banéter les gosses, quoi. Oupsie. Je peux au moins faire en sorte de changer la couche. Paf, elle épouse sur le mur. Le travail a commencé. Oh my god. Elle va accoucher au boulot. Bon, la petite, ça va mieux, mais bon. Bah oui, t'es là, ma belle. Allez. Bah c'est parti pour le bébé, hein. Devant les yeux de ton mari et... Enfin, de ton mari, vous n'êtes pas marié. De ta petite. L'arrivée de Bébou 2. Ah, ça y est. Il capte, ça y est, il y a un problème, là, dans la matrice. On va encore être parents, mais quelle idée. On a une trop petite maison, franchement. Et on n'a même pas de baignoire pour les laver, les gosses. On les lave comment? Au jet d'eau dans le jardin? C'est parti. Qu'est-ce que c'est sorti dans le bédou? Est-ce que vous aviez parié? Est-ce que vous allez avoir raison? Et c'est un petit garçon! Et ben c'est super, je vais l'appeler Frésia. Parce qu'en F, il n'y a pas grand-chose. Et en vrai, Frésia, c'est peut-être le moins pire. Est-ce qu'il est venu tout seul, Frésia? Oui, il est venu tout seul! Il est venu tout seul, Frésia! Et c'est un petit mec! C'est bien, on a pour l'instant un de chaque. De toute façon, faut qu'on en fasse encore deux derrière, donc... c'est... Ça va être sympa, hein, une sacrée marmaille et tout ça. Que t'es contente, Edelweiss. Elle sait pas trop, elle a pas tout compris encore, je pense. Elle est toute petite, hein, elle a pas compris qu'elle avait un petit frère, hein. Il a fait un truc, là. Il l'a pris, il l'a fait tournoyer en l'air et elle s'est lavée. T'as fait comment, gars? T'as fait comment pour nettoyer ton enfant? Qu'elle se lave sans évier, sans baignoire. Alors, en fait, elle est censée être au boulot, là, hein. Ouais. C'est vachement bien au boulot, toi. Et dis bonjour à ton garçon, toi. Bonjour, mon fils. J'espère que tu seras un homme comme moi. Hein, fier de sa famille. N'importe quoi. Et il est déjà en train de gueuler. Youhou, youhou. Bah, c'est papa qui va s'en occuper pour le coin. Maman, elle avait envie de faire du yoga, donc là, je la fais parpoter avec sa petite. Mais après, elle va aller faire du yoga. Ça commence à puire, ma pauvre petite Daph. Alors, elle monte tout doucement hein, pour faire ces trucs de la... Pour son aspiration... Donc ça monte tout doucement, mais ça monte. Ah ouais, là, ça pue beaucoup, Daphné. Il serait peut-être temps d'aller prendre une douche. Et c'est un pot niveau 2 pour la petite Edelweiss. Et on l'applaudit bien fort. Alors effectivement, elle est buggée, hein, vu qu'elle est revenue en plein milieu de sa journée. Elle est censée être encore au boulot, mais elle y est pas. Donc en ce temps-là, eh ben, on va gagner un peu de temps. Et puis au moins, on n'envoie pas les gamins à la garderie. Aucun respect! Valérian pourrait se contenter de soutenir son équipe depuis la ligne de touche, mais il prend très à cœur son rôle de défendre l'honneur de son équipe. Et il s'avère que la mascotte vache de l'équipe adverse danse au beau milieu du terrain en balançant ses pieds d'une manière totalement irrespectueuse. Incroyable! La seule chose qui empêche Valérian de se précipiter sur le terrain pour commencer une bagarre est de savoir que les sièges sont remplis d'enfants innocents venus pour profiter du match. Valérian va-t-il montrer l'exemple ou montrer à la vache sa façon de penser? Est-ce qu'il va se battre avec la mascotte de l'adversaire? Il va augmenter sa notoriété, mais il perdra de sa réputation, de l'argent et sera licencié. Ou il va ignorer les provocations de la mascotte. Eh ben, on va ignorer les provocations de la mascotte. Voilà, parce que on est là aussi pour gagner de l'argent. On en a besoin, parce qu'après... Bon, voilà, il y a la vie qui va continuer, quoi. Ah bah, ça y est, elle est revenue du boulot, finalement. On a eu notre paye normale sans y aller, c'est parfait. Quelle jolie toile! Tu vas critiquer l'œuvre et la vendre. Ouais, 210.
Ça va, on a doublé notre mise. Oh oh, ces derniers temps, on envisage de faire un bébé. Tu crois qu'on devrait le faire? On en a envie, mais on n'est pas sûr. Mais oui. Mais oui, mais de toute façon, t'en avais déjà. Mais vas-y, fais-en encore plus. Bah, c'est bleuet maintenant. Je me sens vraiment déprimée ces derniers temps. Rien ne semble aller comme je voudrais. Je me suis dit que tu serais la personne idéale pour me remonter le moral. Bah, essayer de lui remonter le moral. Ah oui, c'est vrai, je rends effectivement le monde meilleur avec mon sourire. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Merci, Daphné. D'accord, bleuet. Ok. On en profite hein, qu'elle soit pas enceinte pour faire du yoga. C'est pour son aspiration. Ah bah voilà, pratiquer la pleine conscience, elle est à fond. Il faut qu'elle cherche la détente. Donc faudrait qu'elle aille de retour. On n'a pas de baignoire. Mais non, c'est Doroni qui vont tous y passer. Audrey Masson a proposé un rencard. Ouais, vas-y, je m'en fous. Franchement. Faudra qu'elle aille se faire masser et trouver un environnement paisible. En lisant des livres sur le bien-être en écoutant de la musique New Age ou de la musique de la station concentration. Ou en sentant de l'encens. Bon. Bah, c'est ce qu'on va devoir travailler le plus. Ah, on a Frésia qui se réveille. C'est bizarre, Frésia, ça finit en A. C'est vrai que c'est pas commun pour les garçons, mais bon, ça existe. Hein. Qu'est-ce que tu viens faire là, coquine? Va voir ton petit frère. Va babiller à ton petit frère, tiens. On va voir si tu vas être content d'avoir un petit frère. Aïe, 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 ça commence. Les conneries. Edelweiss. Aïe, 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 on se verra. Moi, j'y vais toujours en hurlant, hein. Je trouve que c'est plus effectif comme ça. Oh! Et il se réveille. Ah, ça va, papa vient de rentrer. Il va s'en occuper. Oh là là, quel chialeur ce gosse. Il veut même pas être embrassé par sa mère. On dirait Tyrion. Ah, et le toilette, il est cassé encore. Et alors que le réparateur est en train de réparer? Allez, on va se détendre un petit crac-crac à côté de la petite qui pue. Tant qu'à faire, hein. Le plaisir! Notre fils qui se réveille, tiens papa, tu dors mieux. Tu vas le changer, le bercer et lui parler. Tu lui dis, bon, mon fils, je vais aller faire les câlins à ta mère. Et ça me plaît vachement plus que de changer tes vieilles couches pleines de merde. Allez, salut. Mais il repleure. Bon, après, il est 8h du matin. Ah, on est jeudi. Bah, elle doit bosser, elle. Ah non, elle bosse pas. Qui c'est qui est le mieux endormi, mieux réveillé? Bon, vas-y, tu vas te lever, ma belle. Va t'occuper de ton petit. Tu vas l'allaiter, tu vas le bercer, tu vas lui parler. Eh, hey, mais il bosse pas non plus, lui, aujourd'hui. Oh, bah, ils vont pouvoir passer une petite journée ensemble en amoureux. On fout les gosses à la garderie ou dans le congélateur, au choix, et on en profite. Hein. En tout cas, le reste de la maison dort de ouf. Hein. En attendant qu'il se réveille, tu t'entraîneras au piano. Hein. En profiter. Le petit, il bouge comme s'il aimait pas la musique. Genre, il a des soubresauts, genre, qu'est-ce que c'est que cette horreur, là, qui me chatouille les oreilles, là? Ça va pas du tout, cette histoire. Oh, c'est un niveau 6, de piano, quand même, hein? Bravo, ma belle. Bah, il a l'air d'être prêt, Valérian. Valérian est prêt, regardez, il a tout remonté ses jauges. La petite, elle pue, elle dort. Bon, on va la laisser, Oh, la vache. On se dit qu'on va se bouger de là. Allez, on va se bouger de là, on va se faire des bisous. Et on va se balader. Allez, un bisou, et on bouge. Mince, j'ai oublié d'emmener... Et d'emmener Valérian. Hey, ouais, attendez, on va faire un cours de yoga. On va faire ça. Ils vont faire ça tous les deux. Ah oui, c'est vrai que elle, c'est gratuit. Avec son aspiration, c'est gratuit. Eh bah écoutez, tant mieux, on en profite, hein. Ah, Doronique est très contente de son rencard avec Audrey Masson. Super. Vous êtes deux, pour l'instant. Les deux plus beaux, de toute façon. Donc, vous n'avez pas besoin d'autres, qui que ce soit d'autre. C'est parti. Allez les abonnés. Rien à voir. On s'étire. Ah, il est moins assuré, Valérian. Ouais, il débute encore. Hein. Oh le gars. Allez, bah vous le faites? Non, ils le font pas. Dommage. Oh bah Anémone serait là, ce serait la prof. Hein. Best position, hein. Je veux rien entendre. Facile à faire, tout ça. Ah là, le cours est fini. T'as perdu 3 grammes? Ouais, t'es tout aussi belle qu'avant, va. Toujours autant de monde dans ce soda. Pas moyen d'être tranquille. Eh, c'est Doronique? Ah non, j'ai cru. Mais ils sont combien là-dedans? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non mais... Franchement. Voilà. Ah non! C'est qui lui? Mais ça devait être... Mais ils devaient être ensemble. Ah bah d'accord, on reçoit son massage toute seule ici, en fait. Ah, j'aurais dû le faire là. Bon, bah voilà. Ils se font tous les deux masser. Mais pas au même endroit, c'est un peu dommage pour le coup. Alors Valérian, tu aimes ça les massages? Du tissu profond. Oh Camélia! Il s'est martyrisé. Alors ça va? T'as l'air en forme quand même. T'es pas mort en tout cas, t'es un seul morceau. Et elle? Ah bah la même.
Bon, je leur dirai pas d'aller au sauna parce que visiblement il y a toujours un rassemblement incroyable là-dedans. Je leur ai demandé d'aller faire un petit crac-crac dans le sauna, mais vu le monde qu'il y a. Je suis pas sûre que ça marche. Attentat à la pudeur. Oula. Elle a réussi déjà à s'y mettre, à s'y glisser. Mais lui, il n'y arrive pas. Hein. Non mais le bordel. Joyeux bordel. Dans le petit sauna. Je n'arrive pas à les compter. Il y en a 4 assis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. Je sais plus. Enfin, ça en fait trop, quoi. J'en profite, il y a un truc dansant ici. Elle va pouvoir venir renifler comme ça au niveau de son respiration, ça va monter. Oh, ça y est! Ça y est, j'ai débugué tous les Sims qu'il y avait à l'intérieur. Ils sont tous partis. Oh! Ils peuvent profiter du sauna. Attention, madame! Cassez-vous de là! Oui, bah dégage de là. Va-t'en. Merci, au revoir. Ça va faire des crapulades. Ouais, il y a plein de spectateurs qui se pointent. Hein. Ah, ça y est! C'est fini. Il est 19h. Tu vas venir sentir ton truc, là, parce que ce serait sympa. Et après, go, quoi. On va y avoir retourné à la maison. Après, je peux en mettre à la maison, c'est pas très très grave, mais... Ah, mais ça monte pas à chaque fois. On va mettre citron évocateur et sentir l'odeur. Peut-être qu'il faut sentir un truc à chaque fois différent, peut-être. Ça marche pas tous les coups. Allez, on rentre. Et nous revoilà à la maison. Tu vas pouvoir manger. Et la petite? Et la petite, elle est propre. Mais quel plaisir. Allez, tu vas aller au pot, ma cocotte. Eh bah oui. Il pue des fesses. Tu vas aller te bercer, tout ça, machin, truc muche, quoi. Bon, le petit bébé a marché, elle est déjà enceinte. Hein. Le sauna a fonctionné, les enfants. Bébé 3 arrive. Oh là là. T'es à la fatigue, ma belle. T'enthousiasmes pour la nature, ça allait refaire un bébé. De toute façon, même s'il est déjà là, c'est pas grave. Et voilà, un petit crac-crac qui s'est bien passé. Oh là là, non mais oui, mais franchement. Voilà, quoi. Ils sont beaucoup trop mignons. Ils vont nous manquer. Hein. Enfin, j'ai rien dit. Allez, la belle, elle va confirmer sa grossesse. Toi, tu peux venir là aussi, tu viendras pisser. Voilà, manger pour deux. Oh, comme c'est étonnant, on ne s'y attendait pas. Bon, eh ben, dis-toi que... On a encore un gosse, youhou, des couches, encore du vomi, tout ça. Quel plaisir. Alors que bébé Frésia... pleure. Papa qui va se lever parce que maman, bon bah maman elle est fatiguée et puis elle est enceinte. J'ai hâte de voir à quoi Frésier va ressembler, s'il ressemble à papa ou maman. Peut-être plus son père du coup. Ah là là. Bah papa, t'es de retour nettoyer et t'occuper du bébé. Les vendredis et les deux travaillent aujourd'hui. D'ailleurs, toi t'as fait que 25%. Tu vas aller courir. Voilà, énergisé. Tu vas aller t'entraîner. Parce que sinon... Le boulot, ça va barder. C'est sympa, hein? De mieux en mieux. Oula! Un concerto années 80. On est parti. Niveau 6, hein. Ah, mais le truc, il est en train de cramer. Tu l'as cassé. Mais le machin, il tient pas la route, hein. Il arrête pas de déconner. C'est trop nul. Ah bon, il continue à fonctionner quand même, même s'il crame. En fait, il va prendre feu, et elle aussi. Allez, tu as contacté le service de réparation, va. Elle est repartie pour le boulot. La dernière fois qu'ils l'ont vue, elle était sur le point d'accoucher et elle est re-enceinte. Et Bibou pleure et je pleure. J'aime casser les oreilles de tout le monde qui m'entend. Je suis insultée. Et j'aimerais bien qu'on me nourrisse. Et où appelle une nourrice. Oui, bon, bref. Oh, c'est l'anniversaire de Frésia. Est-ce que le temps peut passer vite? Ouais, donc à 10h30 demain. D'abord, on est 30 minutes de temps libre lors du déjeuner. Que doit-elle faire? Conseil de carrière. Gain de performance moyen. Bon. Je suis en train de me dire, mais comment va Anémone? Elle n'est pas encore morte, Anémone, hein, sachez-le. elle est toujours là, toujours en vie, quelque part. Alors, on va aller la voir. Elle est toujours là, regardez. Ah ouais, hein, elle a 4 enfants et ils se sont tous reproduits. Hein. Même Doronic, il a eu un petit garçon. On dit, il va pas bosser? Ah, il bosse à 14h21. Ah, merde, c'est quoi ces horaires de fionx? Ah là là, qu'est-ce que tu fais? Tu lui apprends à parler? Ouais, vas-y, je le laisse faire. Ça vient d'une bonne intention. Ah ouais. Un petit temps pour s'amuser avec sa fille. Ah là là, trop mignon. Oh, que trop mignon. C'est l'heure du boulot pour Valérian. Bonne journée à toi. Eh ouais, on envoie tout à la garderie, nous. Alors que notre douce revient du boulot de 180.
Simflouz, de gagner et direct à la douche. Ouais. Tu pourras aller aussi faire pipi après. Et la petite, elle a pas bougé d'iota, elle est toujours dans la cuisine. Et ouais, ton mari, il s'est occupé de... Enfin, ils sont pas mariés, certes, mais bon. Ton âme s'est occupé de tes deux enfants tout seul. Ben maintenant, c'est à toi de t'occuper des deux toute seule. Voilà. Je viens d'acheter des trucs d'encens pour elle. Alors, tu vas l'allumer, favorisant la concentration. Voilà, et tu vas pouvoir sentir l'odeur aussi. Voilà, mais ça change. Ah, si ça fait 7, c'est bon, ça a compté. En vrai, ça peut être trop bien pour les enfants, après, quand ils veulent faire leurs devoirs et tout, tu leur mets ça à côté, et puis ils sentent ça, ils deviennent concentrés automatiquement. Ah, c'est un bon cheat code. Un petit temps mort pendant que la petite est sage, ça veut dire du piano, et oui. On avance vite quand même sur le piano, je trouve, donc ça va. C'est quand même très, très particulier. C'est vraiment synthé, quoi. Oh, et c'est une méga promotion pour Valérian. Est-ce qu'on va devenir atteint professionnel ou culturiste? Ah, les horaires sont pas ouf. C'est soit très tôt, soit très tard. Hein. Encore, je trouve ça va à 14h-21h. Ça peut mieux le faire. Ils auront un peu de temps le matin entre eux. Athlète pro, alors c'est parti. Bravo à lui, GG. Ce qui est bien avec le synthé, c'est qu'on n'entend presque pas le petit hurler. Et ça, c'est positif quand même. Je suis en train de me dire, tant qu'il y a personne qui a sonné à notre porte, là, pour venir nous casser les pieds. T'as vu, elle joue bien, ton amoureuse. Hein. C'est la best. Hein. Allez, va se faire 23h. Dans 23 minutes, elle est 22. 20 minutes, c'est à 23h27 que ça a été pris en compte pour la grossesse. Et voilà, 24h. Le bidou a gonflé. Et elle est bien fatiguée. Donc, on va la mettre au repos. Hein. Un petit pipi et au lit. Ah ouais, ma belle. Ah ouais. Oh, le bidou. Magnifique. Allez, tu serres un petit peu ton fils dans les bras. Et puis, dodo, hein, pour toi aussi, mon grand. Eh, 5h du matin, tu te réveilles déjà, toi? Ah, tu vas réveiller ta mère. Oh, t'es chiante. Non, tu sais quoi? Tu vas aller sur le pot. Comme une petite fille qui s'est allée sur le pot toute seule, sans réveiller ses parents, qui dorment. Si bien tous les deux en mode amoureux, là, ils sont trop mignons. Ça t'emmerde personne. Oh non, il pleure encore. Non, on va la laisser dormir, même si elle est fatiguée, si elle a faim et tout. Tu vas être occupée encore de ton fils. Ah bah, c'est levé aussi. La faim l'a tirée du lit, la pauvre Daphné, franchement. Au moins, c'est fait. C'est bien ce truc, ça va être pratique pour faire monter sa... dans son aspiration, parce que on l'a à la maison et tout. Voilà, on est à 9/40, c'est bien. On est samedi, mais comme quoi la vie change beaucoup, hein, d'une semaine à l'autre. Parce que la semaine dernière, le dernier week-end qu'ils ont passé, ils étaient à deux, il me semble, sans enfant. Ouais, en ont deux et demi là. Puis en plus, ils bossent, donc terrible. Ah, et elle commence dans une heure le boulot. Allez, tu vas te lever. Tu vas te faire une petite douche, là, t'en as besoin. Ah ouais, bah, nausée matinale, terrible. She is so magnifique. Et du coup, elle joue un petit peu pour se remettre du baume au cœur malgré les nausées, avant d'aller bosser. C'est elle qui le fait, hein, c'est pas moi. Hein. Mais elle joue avec émotion. Bah, là, de toute façon, elle a le trait, je crois, contre les émotions, donc elle trouve toujours quelque chose à faire, voilà, et elle va mieux. Et puis après, c'est le boulot dans un quart d'heure, quoi. Il est 9h et puis dans quelques instants, le petit Frésia, oui, va grandir et deviendra un petit bambinou. Et ouais, enfin je crois. Oui, il a grandi. Oh, bah il est pas blond du tout. Il est pas blond du tout. Il a les cheveux noirs comme son papa et comme sa sœur. Et il a les yeux bleus comme son papa. Oh, mais par contre, il a tout la tête de sa mère, hein, c'est impressionnant. Ah ouais. Ah mais il est trop beau, notre petit Frésia. Et il sera 1, 2 et 3. Pénible. Yes. Super. Direct, il va foutre le bordel dans la bibliothèque, lui. Regardez-moi ces petits anges. Oh my god. Comment c'est les choses intelligemment, hein. Il apprend déjà le pot en regardant sa sœur. Ça aide. Hein, dans Amical, regardez le Delvice. Voilà. Ça, il apprend. Oula. Ah ouais, je l'ai senti venir, se fasse jeter. Bon, ça, j'avoue que maintenant que les deux petits sont bambins, la petite elle est partie se faire un petit dodo, on va déménager la chambre. Bah, parce que là, il va falloir de la place pour les petits. Hein. Bon, par contre, tu pourras pas rester à lui apprendre le pot pendant 3 ans.
Donc, hein. Allez, va bosser. Il finira la garderie, c'est pas grave. Et voilà, la maison a été réaménagée. La chambre des parents se trouve désormais ici. Avec encore quelques petites décos, des petites choses sympathiques. Le portrait avec maman, hein. Et puis, bah, la chambre a été revue. Il y a du coup les deux lits pour Bambin, petite maison de poupée, grand tapis, machin. Et j'ai troqué la douche. Alors, je l'ai pas vendue, la douche, je l'ai gardée de côté. Pour mettre une baignoire, parce que, pardon, Bambin, à mon avis, ça va être compliqué de passer outre le bain. Et voilà, elle est rentrée du boulot, c'est le festival de l'amour. Les petits sont rentrés. Regarde, il a la tronche dans... il a la gueule à moitié dans le truc, dans la baignoire. Allez, tu vas lui apprendre à aller sur le pot parce qu'il avait pas fini, le pauvre chou. Je sais, ma belle, je sais. Ah, une grosse soirée t'attend parce que... Il est coincé, il sait plus en sortir. Ok, super. Ben non, va pas au dodo, toi. C'est un peu tôt pour le dodo. Ta mère va te donner ton premier bain. Oh, la gueule qu'elle a. Elle est trop énervée. Il a cassé la maison de poupée. Maman, tu vas le démonter en plusieurs. Parce que franchement, première utilisation, il la pète. Lui, il va finir la tête dans la poubelle. Les pieds dans le congélateur. La main dans le... Bref, vous avez compris. À la bouffe, les gosses. Les gosses. À la bouffe, les mômes. Comme ça, au moins, pendant 5 minutes, on aura la paix. Ah, papa est de retour. Papa va pouvoir engueuler les enfants. Et pendant qu'ils font des cracottes sous la couette, Bébou numéro 3 arrivera dans 24 heures Sims. Bébou 3 et peut-être 4, on sait pas. Ah ouais, mais elle se lève, mais le réparateur il est pas venu. Hein. On l'appelle et il vient pas, hein, cet enfoiré des réparateurs. Là, elle va se pisser dessus, la pauvre biche. Là. Ben voilà, elle s'est pissée dessus. Au moins, elle a une baignoire qui fonctionne. En attendant que le mec se pointe, s'il a envie de se pointer. Hein. Et c'est bientôt l'anniversaire des Delphys. Mais non. So soon. Oh là là, déjà. Et en plus, ça va déjà devoir bosser. Bah écoute, je suis désolée, mais tu vas réparer mon petit Valérian. Et bah toi, tu vas aller bosser. Après, t'es pissé dessus. Les toilettes, toujours pas réparées. Allez, bon courage, Daphné. Libération ce soir. Tous aux abris, les monstres sont réveillés. Je répète, tous aux abris, les monstres sont réveillés. J'allais dire, ils sont calmes, ils jouent, mais bien sûr. Frésia le chiant, Frésia le pénible. A choisi de taper une crise. C'est mignon, hein. De voir papa s'occuper des petits. Pendant que maman bosse. Mais il va bientôt aller bosser, non? Il va être... 14h. Ah ouais. Ah oui, effectivement, oui. Ça va pas faire longtemps. Encore une fois, le petit va être téléporté alors qu'il a le cul sur le pot. Aïe, aïe, aïe. Oh, la petite conne. Bon, il sera en retard au boulot, mais il expliquera que non, mais j'apprenais à chier à mon fils. Hein, j'ai le droit d'arriver en retard à ce niveau-là. Et voilà, niveau 2. Bon, bah, ça y est. Tu peux aller bosser. Allez, salut, hein. Ça, c'est du bidou. Vous savez ce que j'ai oublié? C'est qu'elle avait une baignoire. Et elle peut prendre un mélange pour le bain. Pétale de rose, vas-y. Ah ouais, et c'est vrai que c'est beau. Hein. J'oublie qu'on est à Tartosa parce qu'en fait, il y a tellement de trucs à faire avec la maison, les gosses et tout. On oublie là où on est. Que le paysage est magnifique. Ils ont pas le temps. Ils ont pas le temps d'aller à la plage, tout ça. C'est compliqué. Oh non! Oh non! Oh non! 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 Anémone! Oh non, on n'a pas été voir Anémone avant qu'elle parte. Oui, bah, les bambins n'ont pas de téléphone, alors pourquoi ça sonne, Jean-Claude? Anémone est décédée. Notre génération 1 est terminée. Oh. Tristesse. Ah bah, carrément, elle est partie prendre sa... Genre, la mère, elle rentre de boulot. Elle se prend un bain. Et après, c'est direct. Non, mais moi, je vais à la sieste. Hein. Zut, je m'occupe pas de mes deux gosses. Aïe, à l'affiche. Ça va, ma belle? Oh là là, c'est triste. Hein. Écoute, tu vas pouvoir préparer le dîner. Oh ouais, des onigiri, c'est bien aussi. Oh. Anémone, quelle tristesse. Oh, et qui c'est qui a été promu au poste de jeune pro? C'est Valérian, évidemment.
Et quel boss tu vas. Pff, non, tu vas prendre ton bain après. Là, il faut que tu réconfortes ta petite femme. Elle a perdu sa maman. Et ça, c'est triste parce que. Bah, elle aura pas eu le temps de découvrir. De connaître ses petits-enfants, Anémone, au final. Hein. Pas les nôtres, en tout cas. Je suis désolée, ma chérie, pour ta mère. Et qu'on n'ait pas eu le temps d'aller la voir. Ouais, en plus. Sandek, dans 1 heure, t'accouches, en fait. Ouais. Ok, arrêtez de parler. Je pense qu'il y a des choses plus importantes. Aïe, 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 aïe. Ça y est, ça clignote. C'est bientôt. Allez, attention. Le travail va commencer. Le travail a déjà commencé. On va accueillir notre bébé, le numéro 3 sur la liste. Et ouais, c'est pas triste. Tu devrais t'habituer, mon gros, maintenant. Allez. Et c'est parti. Qu'est-ce que c'est dans le bidou? C'est une petite meuf! Génial! Alors, en lettre G, c'est pro-GG. C'est cas de le dire. Faut une fille. Gazon. Ah, il y a la garance voyageuse. Alors, garance voyageuse, je sais pas ce que c'est. Gobe-mouche. Glycine. Glaïeul. Giroflée. Géranium. Écoutez, je pense que pour une petite fille, nom de G, glycine. Allez. Est-ce qu'elle est venue avec sa petite sœur ou son petit frère? J'avais fait un petit massage fertilité plus, hein. Mais c'est de la merde leur massage? Oh putain, on est obligé de faire une quatrième grossesse! Bon. Ok! Super! On n'en a pas fini de faire des gosses, moi je vous le dis, hein. C'est pas grave, on n'a pas le budget, on n'a pas la place, mais on n'a pas réussi à avoir des jumeaux pour le coup. Dommage! Bon ben, pas le choix, hein. Ir médecin, hein. Bébé numéro 4 en liste. Non mais c'est quand même dingue, c'est que j'ai réussi à avoir des jumeaux avec Anémone alors que j'ai rien fait pour. Et là que j'ai fait un massage exprès, j'en ai pas. Ce jeu, je vous jure, il me... Ah, il me troll. Oh bah dis, ça se passe bien en tout cas. C'est carrément les étincelles, hein. Ah, et comme ça, elle a oublié sa mère. Le truc horrible. Allez, en tout cas, moi, c'est là-dessus que on va quitter les amoureux. Oh, ils sont trop beaux. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Décidément, ce jeu me trollera jusqu'au bout. La quatrième grossesse est donc lancée. Je pense que comme elle est assez fertile, il ne devrait pas avoir trop de problèmes. Bien sûr, le pronostic dans les commentaires. On fêtera aussi l'anniversaire de la petite Edelweiss qui deviendra enfant. Ça fera déjà une épine de moins dans le pied et elle se barrera toute la journée. Et puis la suite arrivera la prochaine fois. En attendant, je vous fais des très gros bisous. Le mot de la fin sera radis. Et je vous fais des bisous. À très bientôt. Ciao, ciao!